Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, vous y êtes la bienvenue. Donc je vous fais souvent des petites vidéos astuces, rangement, organisation, etc. avec des produits essentiellement de chez Action la plupart du temps, mais il y a également d'autres enseignes. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter que des produits Action. Je vais vous donner mon avis sur des produits que je teste maintenant, ça fait un petit moment. Vous faire peut-être découvrir ou pas, en tout cas, des produits. Moi, il y a pas mal de produits que j'ai découverts il y a très, très peu de temps, là, récemment. Et franchement, j'en suis devenue fan. Ils sont très, très bien. Donc, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise en ce moment. Et vraiment, ils ont un très, très bon rapport qualité-prix. Je vais commencer par celui-ci. Donc, celui-ci, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'en ai eu que des bons retours, mais je ne l'avais jamais testé. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer des vidéos tests, parce que tous ces produits-là, je vous les ai déjà testés dans les vidéos astuces, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir directement sur ma chaîne, hein. Vous allez retrouver plein de vidéos où je vous présente ces produits-là. Donc, celui-ci, c'est un produit dégraissant. Il est trop, trop bien. Il dégraisse absolument tout et très facilement, sans frotter. Il est génial. Vraiment, je l'avais testé sur ma gazinière qui était dans un état lamentable. J'ai juste pulvérisé, j'ai laissé poser. J'avais juste à frotter comme ça avec mon éponge, mais sans frotter vraiment. C'était. Voilà. Mais j'ai rien à dire. Très, très bien. Donc là, j'ai plus les prix en tête, mais ce sont des produits généralement à moins de 2 euros. Donc voilà. Celui-ci, il est très, très bien. Donc, lui, je m'en passe pas. Celui-ci, j'ai dû vous en parler à plusieurs reprises, mais je veux encore vous en reparler parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et nouvelles donc qui me suivent. D'ailleurs, soyez les bienvenus hein, sur ma chaîne. Ce produit-là, c'est le produit magique de chez Action. Il est vraiment trop, trop, trop bien. Vraiment trop bien. Il nettoie tout. Il nettoie tout, absolument tout. Vous pouvez nettoyer vos vitres. Donc, vous voyez, il est rose, hein, rose très clair. Il a une odeur à tomber par terre. Il sent super bon. Vous pouvez nettoyer votre salle de bain. Votre cuisine, il enlève les traces aussi, par exemple sur les tapis, si vous avez des canapés en velours, etc. Je l'utilise pour enlever les traces, ça enlève vraiment très facilement, juste avec une petite, un chiffon microfibre, il est trop bien. Franchement, et celui-ci, si vous souhaitez faire un nettoyage rapide de la maison, il faut utiliser celui-ci, vous enlevez tout le reste. Voilà, vous pouvez nettoyer votre plaque de cuisson, tout, tout, tout. Vraiment, il nettoie tout. Donc même les vitres, vous pouvez le faire avec. Ça laisse pas de traces. Il est génial. C'est un produit en plus éco. Donc tant mieux. À base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, je continue avec celui-ci. Celui-ci, c'est un nettoyant inox. Donc celui-ci, c'est pas mal. On peut nettoyer pas mal de choses avec. Vous pouvez nettoyer vos plaques de cuisson si elles sont en inox. Ça fait briller et ça nettoie. Donc déjà, ça dégraisse, etc. Mais ça vous rend l'inox comme ça. Ça brille, c'est génial. Donc vous pouvez nettoyer l'évier, l'inox. Moi, j'ai fait l'autre fois ma théière avec. J'ai nettoyé ma couscoussière. Franchement, trop bien. Ça faisait un effet miroir. Pour 99 centimes, franchement, c'est trop bien. Voilà, donc 3 en 1. Voilà. 99 centimes, il y a 250 millilitres. Je vous le conseille. Donc tous ces produits-là, on les retrouve dans le rayon produits d'entretien. Je continue ici avec ce produit-là. Un quatrième produit magique. Celui-ci, il est trop bien. Donc, il élimine toutes les étiquettes. Moi, franchement, j'étais gavée par certaines étiquettes qui ne voulaient pas s'enlever. J'ai beau mettre de l'eau chaude. On m'a dit, mets de l'huile, etc. J'ai testé pas mal d'astuces. Mais franchement, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai acheté ça, une petite goutte suffit, mais ça s'enlève, mais comme par magie, c'est trop trop bien. Puis en plus de ça, il y a 300 millilitres, donc c'est un produit qui peut vraiment nous durer dans le temps assez longtemps, quoi. Voilà. Donc c'est le 3G, il enlève toutes les étiquettes. Et voilà, généralement quand on achète de la vaisselle hein, chez Action, même ailleurs, on a tout le temps des étiquettes, soit derrière l'assiette ou devant, ou enfin bref. Moi, je sais que tous la vaisselle que j'achetais chez Action, j'avais droit aux étiquettes. Et des étiquettes qui étaient bien collées, quand je les enlevais, ça restait collant. Donc, j'avais beau frotter, c'était vraiment une vraie galère. Donc, celui-ci, je vous le conseille. D'ailleurs, vous êtes souvent parfois à me dire en commentaire, c'est lequel déjà? C'est le 3G. Lui, pareil, il est dans le rayon produits d'entretien. Celui-ci, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé.
Mais il fait partie des top. Je ne sais pas il y a combien de produits que je vais vous présenter, mais il fait partie des produits, franchement, à ne pas louper chez Action. Il est très efficace contre la moisissure et les détaches et détachant. Voilà, donc moi je l'utilise pour la moisissure. Moisissure au niveau des joints de salle de bain. Parfois c'est jaunâtre, parfois c'est gris, noir, etc. Quand vous pulvérisez dessus, vous laissez poser. Alors attention, l'odeur elle est assez forte. Hein. Faut bien laisser aérer ensuite. Faut laisser poser, mais attention, ça tache. Hein. C'est vraiment, ça sent la javel. Donc si vous avez, moi j'avais à un moment donné un rideau, vous savez, un rideau de douche en tissu, ça me l'avait taché. En plastique, non, ça ne tache pas. Donc voilà, et c'est très efficace, les joints bah, redeviennent blancs. Voilà, mais on peut l'utiliser aussi par exemple sur les murs, quand vous avez des traces de murs, de moisissures, etc. Ça fonctionne très très bien aussi. Ensuite, je crois que j'ai oublié la moitié là-bas. On continue ici avec le percarbonate de sodium. Là, celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, très récemment, dans une de mes dernières vidéos avec du linge blanc. Donc, c'est vraiment très très bien pour blanchir votre linge lorsqu'il jaunit, lorsqu'il a jauni ou bien il devient un petit peu gris. Ça récupère bien, vous allez récupérer vraiment un blanc éclatant, surtout si vous le faites plusieurs fois, c'est souvent. C'est vraiment bien. Vous pouvez le faire aussi sur les oreillers. Vous savez que les oreillers, parfois, ça fait des petites taches jaunes. Ou les housses de coussin, etc. Ça fonctionne bien. Il y a, je crois, 1,99. Je ne suis pas sûre. Il y a 500 grammes. Donc, je prends souvent. Donc, le bicarbonate. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, il y a, hop, la petite cuillère. Et c'est là pour poudre blanche. Le bicarbonate de soude. Ou le bicarbonate de sodium. Donc ça, ce sont deux produits que j'utilise très souvent. Surtout le bicarbonate. Le bicarbonate uniquement pour le linge. Mais franchement, le bicarbonate, je l'utilise très très souvent avec le vinaigre. Voilà, pour détartrer, etc. C'est trop bien. Donc voilà, le bouchon est juste derrière, là de côté. Je continue ici avec le savon de fiel de bœuf. Moi, je l'ai mis donc dans cette petite boîte. C'est un savon blanc comme ça qui va venir en fait détacher vos vêtements, vraiment les taches hein, les plus tenaces. N'hésitez pas, ça fonctionne super bien. Et puis il sent super bon, il sent très très bon. J'ai acheté cette petite boîte aussi dans le rayon cuisine où il y a les petites boîtes de conservation, etc. Et moi je l'ai pris pour mettre mon savon. Donc si ça peut vous donner des idées, c'est qu'au début il traînait et puis je me suis dit non, non, il faut vraiment que je trouve une petite boîte adaptée. Il est à 99 centimes, il me semble. Surtout quand vous avez ben, les bébés, vous savez, parfois ils ont la couche qui déborde, ça en met partout sur les pyjamas, ça fait des taches jaunes, sur les traces d'herbe, etc. Vous passez un petit coup dessus et puis après vous laissez tourner en machine et puis vous allez voir, vous allez avoir un très très bon résultat. Je continue ici avec ces lingettes microfibres vendues chez Action. Donc il faut tomber dessus parce qu'en ce moment je ne les vois plus trop. Elles sont superbes, vraiment. Donc j'avais pris pour toute la gamme. Il y avait gamme salle de bain, spécial cuisine et spécial carreau, bah, celui-ci. Donc on a, ça se présente comme ça. Il s'est vendu à 99 centimes les deux. Donc vous avez celui-ci, voilà comme ça, pour venir en fait enlever. Donc celui-ci vous le mouillez, vous allez venir enlever toutes les traces sur vos vitres, sur vos miroirs. Et avec celui-ci, vous allez donc polir, on va dire ça comme ça va venir absorber et ça va enlever toutes les traces, il n'y aura plus aucune trace. Donc ça c'est en supplément, mais franchement rien que ce produit-là, c'est une tuerie. Parfois moi je prends juste celui-ci avec ça et c'est très très bien. Mais en tout cas les lingettes microfibres, bon, de toute façon j'en ai testé plusieurs de chez Action, elles sont très très bien. D'ailleurs celle-ci je crois que c'est la gamme cuisine. Voilà, il y a un deuxième après qui va avec. Hein. Donc c'est à 99 centimes ceux-là. Sinon, les petites gommes magiques, celles-ci, je pense que vous les connaissez, hein. Elles sont vendues, je crois, par. Elles sont vendues par 10, je crois. Je ne me souviens plus. Donc, il ne faut pas confondre. Prenez bien celle avec de la marque Nichols, avec ben, le petit trait noir ici. Alors, elle s'abîme assez rapidement quand même. Hein, ça... Mais ça fonctionne très très bien. Vous les pouvez enlever les traces sur vos baskets, sur les murs, les portes. Les traces de stylo, vraiment avec très très peu d'eau, juste vous humidifiez un petit peu votre éponge
et le tour est joué. Donc voilà, hein, les amis, je vous ai fait le tour de mes petits produits. Je vous fais ça en petite partie. Je vous ferai sûrement une autre vidéo avec d'autres produits, mes produits favoris de chez Action. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. C'est ce qui va vous permettre de recevoir une petite alerte à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. J'espère que pour vous, les vacances se passent bien, que vous passez de bonnes vacances. Ben, si vous êtes au travail, que le travail se passe bien. Voilà, c'est pas évident. En été, il fait... Là, en ce moment, à Clermont-Ferrand, il fait super chaud. Donc hier et aujourd'hui, on est en pleine canicule, il fait vraiment très très chaud. Mais bon, on ne va pas se plaindre, c'est c'est comme ça, c'est la saison, c'est l'été, il faut profiter, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais vous laisser là. On va s'arrêter là hein, pour cette vidéo, je vous dis peut-être à demain. Sur ma salle, qu'en ce moment, je suis vraiment très très occupée, donc je poste un petit peu moins, mais je suis toujours là. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.